courbes harmonieuses des collines d'Artois, où le vent qui souffle de la plaine chante la richesse et la joie. Au temps de la moisson, les lourdes récoltes prennent le chemin de la ferme. Sous le ciel chargé de nuages, paissent de grands troupeaux de races flamandes. Des boulonnets trapus et des chevaux picards s'ébattent en liberté. Colline d'Artois, terre d'abondance, terre fertile et riche, mais aussi sol martyr, terre de souffrance et de sacrifice. Enclavés dans les champs de blé, les champs des morts de 14-18 alignent leur croix blanche. Cimetière de la Targette, où les tombes françaises voisinent avec les tombes anglaises. Cimetière britannique du Cabaret Rouge. Mémorial canadien de Vimy. Cimetière allemand de la Maison Blanche. Lorette. À Lorette, chaque jour, deux anciens de 14-18, deux hommes du Nord, montent de la plaine pour prendre la relève. Ce sont les gardes d'honneur de Lorette. Chaque jour, depuis 30 ans, deux par deux, comme au poste de guet, ils montent la garde au sommet de la colline et veillent sur le repos de leurs camarades. Ils sont 50 000 enterrés là où ils sont tombés. À la relève, les gardes regagnent les cités des vivants. Au tournant de la route, ils retrouvent la sévère ordonnance du pays familier. À perte de vue s'étend la plaine où seuls s'élèvent, montagnes reliques, les terris formés au cours des années par les déchets d'extraction et les chevalets de mines. Plaine du Nord, riche de son sol, de son sous-sol et du travail de ses hommes. Jour et nuit, les mineurs se relaient au fond. Trois postes de 8 heures par 24 heures, 8 heures d'un épuisant labeur, 8 heures à faire du charbon. Sans interruption, les chemins de roulement et les trains de berline acheminent le charbon du fond de taille jusqu'au puits d'extraction. Les berlines pleines de charbon se placent dans les cages qui, en quelques secondes, vont les remonter à la surface. C'est par le même chemin qu'à la fin d'un poste, les mineurs remontent au jour. Tous se hâtent vers les vestiaires. Certains parmi les anciens de la mine préfèrent regagner la maison sans s'arrêter aux douches. Liévin, fosse numéro 1, à la sortie du carreau de la mine, voici faisant route de compagnie Léon Béretz et ses camarades Gosselin, Dufour et Deléquin. Gosselin est bien vite rendu. Gosselin, c'est le café Gosselin, au bas de la rue. Dédéker retrouve avec plaisir son jardin et ses fleurs. Béretz a une autre marotte, les pigeons voyageurs. C'est un colonneux, comme on dit dans le Nord. Bonjour. Ah, vous voulez voir mes pigeons.
Pour beaucoup d'habitants de Liévin, la musique est une véritable passion. C'est le cas de Gosselin, du café Gosselin. Aussitôt changé, le voilà qui se hâte pour se rendre à la répétition. C'est le cas aussi de Dufour, qui prend le chemin de la salle de l'harmonie des mines. C'est là que deux fois par semaine, les musiciens les plus qualifiés de l'harmonie viennent initier à la musique les élèves du conservatoire. C'est d'abord l'initiation au solfège. S'efforce de transcrire rapidement la dictée musicale. Et puis, au bout de 3 ans d'études, c'est la joie d'avoir un instrument. Patience chez le maître, que de bonne volonté, que de foi chez l'élève. Sont parfois difficiles. Et pourtant, à force de travail, certains atteindront à une véritable virtuosité. La récompense de tant d'efforts, ce sera l'entrée du candidat à l'harmonie après l'examen de fin d'études. Pour les musiciens de l'harmonie, l'étude ne sera du reste jamais finie car toujours, ils travailleront chez eux pour préparer de nouvelles exécutions d'ensemble. Liévin à la tombée du jour, c'est souvent derrière une porte de coron, un musicien qui répète.
l'harmonie des mines de Liévin comprend 116 exécutants qui se plient à de fréquentes répétitions. Ces hommes qui, au fond de la mine, il y a quelques heures, maniaient le marteau-piqueur ou la pelle, sont devenus les fervents serviteurs de la musique. Si l'orchestre d'harmonie peut interpréter les œuvres des grands musiciens transcrites à cet effet, la formation secondaire de l'harmonie est la batterie, plus communément appelée la fanfare ou la clique. Il faut de l'oreille et du souffle pour tenir un emploi dans la batterie, qui pour être digne de l'harmonie doit s'astreindre comme elle à des répétitions fréquentes. Des mordus de la batterie. Son clairon, c'est une partie de sa vie, une grande part de ses joies. Souvent, le soir, il se réfugie au haut du talus dans le terrain vague avec son vieux copain de régiment. Mais sa femme et ses voisins ne partagent pas toujours son enthousiasme. Au bout de la ville, Deretz prépare le concours de demain. Comme chaque dimanche d'été, il y aura de grands lâchers de pigeons sur le nord. Il s'agit de ne pas arriver en retard pour la mise en loge à l'association des colombophiles. La mise en loge, c'est l'inscription des concurrents. Puis on bague les pigeons voyageurs qui cette nuit seront expédiés en panier par chemin de fer de toutes les villes du nord de la France, de Belgique et de Hollande jusqu'au point d'envol.
On procède ensuite à la vérification des constateurs. Réglés sur la même heure et scellés, ils indiqueront sans fraude possible l'heure d'arrivée des concurrents à leur pigeonnier. Bien avant le lever du jour, les paniers des voyageurs ont été mis en place le long du convoi qui les a amenés. Au premier rayon du soleil, ce sont les premiers lâchés. À Liévin, ton lever, M. Deretz inspecte le ciel. C'est un grand jour pour lui. Hier, il a mis en ligne 15 de ses meilleurs élèves. 6 heures. Que dit Radio Bruxelles? Beaufix, vent d'est, temps clair. Au-dessus de Paris, on annonce, les convoyeurs français lâchent aux heures demandées. Les Belges attendent. Bon, les voilà partis. Aux heures fixées, les convoyeurs libèrent les pigeons impatients. 10, 20, 30 paniers ensemble. 5, 10, 15 000 pigeons à la fois qui s'envolent vers leur pigeonnier. Ce matin, au-dessus et au-dessous de Paris, près de 100 000 pigeons regagneront le nord à tire-d'aile. Si le vent se lève, c'est un bien long trajet pour Roussandré, songe le père Deretz. Roussandré, c'est un jeune sur lequel il a misé gros. Si tout se passe bien, les premiers seront là vers 8h30, ayant parcouru près de 300 km. On coule un nœud averti. M. Deretz a joué les veuves et à mousse. Jouer les veuves, c'est miser sur un pigeon en mal d'amour. Du drap de vitesse pour être tôt rentré au pigeonnier. Jouer à mousse, c'est spéculer sur l'instinct paternel ou maternel d'un pigeon qui se hâtera de rejoindre le pigeonnier pour nourrir sa poupée. Tandis que se poursuit l'attente des coulonneux, la ville commence à s'éveiller. Ce matin, comme tous les dimanches à Liévin, les treuils des chevalets sont arrêtés. Aujourd'hui, personne ne descendra. Aujourd'hui, les musiciens de l'harmonie donneront dans l'après-midi un concert au jardin public. Dans le ciel, apparaissent par groupe les pigeons remontant vers la Hollande et la Belgique. Ceux de Liévin ne vont pas tarder. Attention, voilà les voyageurs de chez Deretz. Attirés par leurs pigeonniers comme par un aimant, les premiers arrivants se laissent tomber et atterrissent sur le toit. C'est Roussandré, comme prévu, qui se présente le premier sur la trappe. Hop, le voilà dans la loge de sa veuve. En un tournement, le pigeon est débagué et la bague introduite dans le constateur. Sûrement, Roussandré sera bien placé et un nouveau diplôme ornera la maison de M. Deretz. Au café Alexis, il fait soif de bon matin. On joue aux fléchettes dans la salle. Les fléchettes sont un simple passe-temps comparé au jeu de javelot que pratiquent les mineurs. Dans la cour, derrière les staminets où les javeloteux se réunissent, la société des Blancs-Becs de Liévin a lancé un défi aux imbattables de Lens et la lutte est chaude. Il y a plus de 8000 francs de prix à la clé. Bogas y guerra.
qu'est-ce donc? Ce sont les mineurs. Remontant la grande rue, la batterie et l'harmonie des mines se rendent au monument aux morts. Pendant que le défilé se poursuit, au stade de Roland-Court, les sportifs s'entraînent. Car s'il y a des musiciens à la mine, il y a aussi de nombreux fervents du sport et tous les sports sont en honneur à Liévin. Mais le sport le plus caractéristique de la région est certes le tir à l'oiseau. Enfoncé solidement à coups de marteau sur les pointes d'un mât métallique de 20 mètres de haut, les oiseaux de bois peints et empanachés doivent être tirés à la verticale. Il faut du muscle pour bander un arc à 70 kg et une rude adresse pour toucher les oiseaux au sommet du mât. Les poules tiennent bon sur leur perchoir et les archers doivent souvent tirer pendant une bonne partie de la journée avant que ne tombe le premier oiseau. Non loin de là, une ducasse a monté ses tréteaux. La ducasse, dans le nord, c'est la fête foraine, avec ses manèges, ses tirs, ses baraques surprises, ses marchands de fric et ses buvettes. Jusqu'à la nuit tombée, l'orgue de Barbarie et les bonimenteurs dérouleront leur tumulte de foire, cependant que sous les ombrages du jardin public, les musiciens de la mine donnent leurs conseils.
un dimanche à Liévin. Bientôt, musiciens et auditeurs regagneront leur corps. Déjà les enfants, vite lassés, s'échappent vers leur terrain de jeu favori. Leurs cris joyeux se perdent dans le décor sévère des villes noires. C'est ainsi qu'au pays minier, la rudesse apparente des hommes cache une tendre sensibilité. La joie de vivre accompagne la dureté du travail. Les somptueuses récoltes de la terre voisinent avec les pesantes moissons de la mine.